Bien, salut tout le monde, c'est Wizela et aujourd'hui on se retrouve pour le let's play hashtag 54 normalement. Bon, allez, on va essayer de faire solo ceci. On va tester hein. Ça se trouve c'est faisable hein. Je sais que c'est pas très dur. Te revoilà. Tes efforts emportent leur. Je suis folle. Ne t'arrête pas aussi bon chemin. Tu es peut-être le premier être vivant à pénétrer en ce lieu immémorial. Est-ce que c'est mieux? Plus de vie. Bon, je préfère regarder l'autre. Hein? C'est pas maintenant le solarium? Ah bah non, en fait, je pensais que c'était direct le solarium, mais non. Avant ça, il y a ce qu'on appelle l'Empire crustacéen. J'aimerais que tu ailles vaincre des poiscasses et des lofiens pour leur montrer. Non, bah, excusez ma mégarde. Que les choses doivent changer. Oh, le truc sous le. Mais pas les plus près des poiscasses? Tu vas prendre ça? Je pense que si. Si ça passe, les poisques comme ça. Alors, voyons voir mon deck. Ça va bien. Ça aussi en soi. Et voilà. Coucou! Ils ont combien de PV déjà? 1300. Bon, bah ça va! Tranquille! Bon, je pense que j'ai coupé ce bon parce que ça va pas être intéressant. C'est du full battage de mob, quoi. Battage de mob. Wow, nouveau mot. Donc je reprends après avoir fini au moins de tuer 5 poiscasses. Et pas de petit gémant des failles. Des géments, d'accord. Un petit géant des familles pour finir. Et ça dégage. Ok, maintenant je vais faire quoi? Ah! Oh encore des mobs à battre. J'ai oublié. Ils sont tous là-bas? C'est si loin? D'accord. Non, mais touchez pas. Pas des pêcheurs ça? Si! Eh, ils bug un peu leur truc hein! Voilà, bon, faut encore en battre 5, je pense que je vais encore couper ce combat! Sinon ça va être vraiment trop long! Allez hop, je vous reprends plus tard! Invoquez la toute puissance géant du froid! Je sais même pas si je les tue là, j'ai qu'une lame! Amplification! Yeah, ça suffit même pas. Sérieux? Alors là, ce qu'il en reste de PV, voilà. J'ai PV. Youpi, c'est trop bien, il reste 8 PV. Comme une merde. Mais bah oui, comme d'hab, de toute façon j'ai pas un pouvoir puisqu'il suit derrière, du coup je suis obligé d'attendre le prochain tour. Emma. Bon, j'ai hâte de finir comme Celestia parce que ça commence à m'énerver. Pas grand monde connecté moi.
de neige. Voilà, enfin. C'est un peu long ce genre de quête, hein. Pour vous, ça a duré 3 minutes, mais pour moi, ça a bien duré 20 minutes. Y'a quoi là? C'est juste un raccourci, d'accord. Pour éviter de se faire choper par les mobs. Nestor, quoi. Il pouvait pas trouver mieux comme prénom. Je sens déjà comme un début de revirement bien des années. De revirement de situation. Mon peuple a vécu en paix. Tout a commencé sur ta gueule. J'ai tenté de découvrir où ils ont déposé nos armes et nous les rapporter. Chor. T'as cru que j'étais quoi, moi? T'as cru qu'il y avait écrit ramasseur d'armes ici? Je suis quand même le plus risqué au monde. J'ai vu qu'il y a des armes là-bas. Bon sûr, j'ai vu un tas d'armes traîner, je me suis permise. Et le dernier, il est là-bas. Et voilà. Un coffre. Ouais, du gré. Depuis quand tu peux avoir du gré? Bah oui, mais depuis toujours, mais c'est pas logique. Maintenant que nous avons récupéré nos armes, nous avons récemment. Les Lofiens ont pillé la chambre forte de l'Empire Cruste. L'or compte peu. Mais ils tous nos empereurs le portent pour symboliser leur autopeture. On doit prendre un super médaillon. Est-ce que c'est plus rapide par là ou pas? Ouais, plus rapide par là. Cessez les pêcheurs. J'espère avoir pas trop longtemps parce que j'en ai marre de battre des pêcheurs. Si tu me fais pas peur, en fait c'est assez simple les quêtes avec un glaçon solo. Hein. Tu fais pas énormément de dégâts, mais au moins tu survis quoi. C'est ce qui compte, non? Je sais pas. Ok, grosse main. Arrête l'araignée. C'est quand même, ils ont quand même pas mal de dégâts sur tour les morts. Hein. Je pense que c'était les feux qui en avaient plus, mais je crois qu'ils sont à peu près égales avec les Svartsenao. Et c'est quoi ces pifs là? Ouais, avec les sorts d'artisan. D'artisana. ça va encore. Là, je l'ai tué large. C'est là que tu vois que qu'une lame ça fait une grosse différence de dégâts. En fait, pour ceux qui veulent faire Rasputin, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle technique. En gros, vous boostez une personne, ça comme d'hab, mais vous en fichez maintenant parce qu'en fait il y a une personne qui tous les tours va taper. Il faut que cette personne ait beaucoup transpercé et du coup vu qu'ils n'ont pas beaucoup de PV, les petits mobs qui sont invoqués en mettant une lame, bah ça va quoi. C'est peut-être un peu mieux. Un peu moins casse-tête. Mais il faut que la personne ait pas mal de transperce. Faut qu'elle ait minimum 35, on va dire. Pour être large. Tiens, j'ai eu le premier coup. Oh mon dieu, c'est tellement rare.
Voilà, cette technique elle est aussi pas mal, c'est pareil. Niveau temps, ça pourrait pareil. Par exemple, j'ai fait cette technique avec 3 morts et moi-même. J'étais avec Marmot. Je faisais celle qui tapait toujours parce que j'avais réussi à attendre 32 perfos plus le rat de perforation. Ça me faisait 50 en 4 trésors. Donc c'était plutôt rentable. Donc moi, je tapais tempête de sable tous les deux tours en gros. Parce que le premier tour, tu peux laisser se transformer une fois et après ça va quoi. Faut juste pas attendre 3 tours quoi. Voilà. Non, c'était pas mal. Bon, du coup, je pouvais pas trop mettre mes lames, mais ça me suffit quand même. Je vais te réexpédier chez eux en petits morceaux. Un petit morceau. Ma prochaine attaque en glace, c'est quoi? Je sais même plus. J'ai un trou de mémoire là. Attendez, on peut... Alors, c'est pas l'ordre des glaces, là. C'est quoi, justement? Ah oui, c'est ma boucle les nœuds. Ah, ça, enfin une attaque qui va taper fort sur une personne. Parce que Colosse, ouais, c'est un peu juste. Mammouth les nœuds. Après, prochain sort, c'est l'ordre des glaces, là, je sais plus comment il s'appelle exactement. Après, c'est le sort niveau 108, le tisseur des glaces. Et après, bah non, le sort de Morneland, le tisseur des glaces. Et le sort niveau 108 qui attaque avec X-Pif, les pingouins sur le canon à neige. Ça va? Ça devrait aller vite. Par contre, il n'y a que des feux là, j'espère qu'ils vont pas me faire Ifrit. Au pire, j'ai un coup de baguette. Et vu que c'est pas mon école, ça va. Ah, l'avantage de pas être Armo. Pourquoi tu fais un coup de baguette sans péter toutes ses lames? Mon dieu, ça faisait longtemps. Non, mais ça va être large, en plus j'ai une double feinte. Limite, je peux faire Colosse, ça suffira. Non, pas que le géant. Après, faut que j'augmente mon perso mythe aussi, parce que Mitch, j'aime beaucoup ses décoches. Mon MC et Baba Yaga maintenant comme ça. La sort dégueulasse. Enfin bon, les paupières Armo, c'est pas mieux. Franchement, je trouve pour les sorts de Polaris, ils sont lâchés, mais sauf pour Armo et Mitch. Ils auraient pu faire mieux. Bon, c'est quand tu veux, par contre, je viens pour sortir, tout comme monstrueux. C'est pas comme si j'avais toute l'après-midi. C'est Flamosaur. Je connais pas mal le sort de nom de cartes, mais pas tout. Il y a beaucoup pour lesquels j'ai... Parce que tout simplement... par exemple, Serpent du Soleil, je l'appelle soit en moineau, du coup je sais même plus quel nom il a à la base. On va peut-être se défendre parce que si je me prends un critique, Nopar, il n'y a plus de Layla. Non, tu vas pas m'enlever ça, toi. C'est mieux. Ouais, mais. Oh non, on va pas tenter de diable parce que j'ai pas encore monstrueux. Ils vont pas se mettre de défense. Oh si, mince! J'aurais pas dû le retirer parce que si c'est défait, ils peuvent se mettre des écumes à 80 glaces. Non, ça passe. Bon, il a pas assez de cliffhanger pour Ifrit. Regardez-moi, la critique, voilà. Et pas pareil! Ah, attends, déjà qu'on part pas à Polaris, pourquoi on part à Celestia? Est-ce que je me débarrasse de lui quand ce sera fait? Je suis même pas sûr de faire 5000, c'est ça le problème. Hop, on va faire ça. Ah, c'est bien quand les cartes ne sortent pas.
son sage, hein, moins 50, il pourra pas me faire du 1200 non plus. Non, il flop, donc il risque pas de faire du 1200. Par contre, là, ça devient risqué. Bon, on va les étourdir. Là, sinon, je prends trop de risques. Parce que 1200 PV, ça part très vite, surtout quand ta famille qui se réveille jamais. Bah attends, il y a deux feintes là, comme ça, on va faire assez de dégâts, je pense, en plus c'est amplification. En mélange. Oh là là, comment je me complique la tête, moi. En même temps, je suis glace et j'ai habitué des tarmos aussi. Donc, tu sais pas les dégâts que tu vas faire, quoi. T'as trop peur de faire aucun dégât. Ça va, là, genre la boule rouge, elle va snobber quoi. Il a refusé de t'écouter. Tu as ouais, niveau 59. Probablement notre allié. Tu devrais parler à ton étrange ami, Sir Thorsten Planchet, pour en savoir plus sur notre peuple et la grandeur de notre empire. Tu sais, j'ai jamais compris pourquoi on était sur un crabe. Salut! Merci de venir en aide aux crustacéens, pauvre diable. Leur empire ne tient plus que par quelques bouts de fil. Cela étant, avant la... Le temple, tu dois illustrer. Là-bas, tu rendras hommage à leur empereur. Caresse-le dans le sens. Allez, hop, nous avons... Ce serait pas... Bon, j'ai fait de lire. Souverain de l'empire crustacéen a parlé. Sinon, le stagiaire, c'est déjà retourné. Que je l'ai commandé. Ça va, c'est pas trop loin. Je suis 500 pas. Par contre, niveau 60, ça, les dialogues, je vais avoir 40 000 dialogues de plus de dialogues à apparaître. Genre, vous avez la station à faire, vous avez la tour de l'effort à faire. Et alors, j'aurais dû prendre des téléporteurs en fait, ça aurait été plus rapide. Il y a pas mal de choses à visiter ici. Le lichen marin. Et c'est pas lichen, hein, c'est lichen. Ah, il y a Cassiopée, je sais plus quoi. Il y a l'autre là qu'il faudra battre à un moment. Ici, je crois. Peut-être qu'un corps de bateau là. Je sais plus si c'est ici. Eh bah voilà, on part du week-end. Faut le ramasser. Moi bon, les coffres argent je les fais pas, de toute façon j'y arrive jamais. Peut-être qu'il y a rien à faire à chaque fois. Enfin, vous savez quoi, ça sert à rien de le filmer, ça je le coupe. Hop, on revient tranquillement après avoir reçu des lichens. Génial. Tout juste ce que les poiscasses tiennent depuis longtemps. Mes pièces d'or, ça sert à rien. Je suis full. Regardez, j'ai 300 000 sur 300 000. Oh, encore des poiscasses. On n'a pas juste à côté, genre. T'es où le téléporteur en fait ici? De quoi, y a pas un téléporteur plus proche? Non, c'est une des merdes. Bon, en fait, limite, ce serait plus proche en revenant au camp de base de Célestien. À ce point, voilà. Coucou le donjon de fin. Bonjour. C'est re-moi.
Ça, on peut virer. J'ai trop de ça, j'y tue jamais en soi, trop de lames, tout ça. Bon, genre, tu m'as pas accro, toi. Eh oh! La carte qui a servi à rien. Ouais, hop. Non. Et bah, du coup, maintenant j'ai plus de lame dégueulasse. Je l'aurais viré en gelange. En gelange, parce que je l'utilise jamais en fait. C'est un fait. Ah, par contre, en ce moment, il y a trop des jeux auxquels j'ai envie de rejouer. C'est Empire Earth. Avec mon magnifique accent anglais. Ce jeu a bercé mon enfance, c'est abusé. C'est un jeu trop bien en fait. C'est un jeu de stratégie où tu vas du Moyen-Âge au futur en traversant les époques. Tu passes par la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Âge, c'est trop bien. En plus, ça te fait bosser un peu ton histoire. T'as par exemple l'histoire de Charlemagne. Non, franchement, c'est un bon jeu. Qui date de. Bah attendez, j'ai regardé sur la boîte, elle est juste à côté là. En tout cas, c'est une vieille pochette de disque, d'abord j'ai joué. Non, j'ai toujours pas. J'espère qu'ils vont pas me passer les mains. Déjà, c'est sur Windows 98 qu'ils proposent. Pour vous dire la gueule du truc. Bon. On va taper, hop. Pour vous dire. Ou 2000. 2001, voilà. Il date de 2001, tout ça. Ce jeu. Et j'y ai joué quand j'avais 10 ans, à peu près. Même un peu avant, je crois. J'étais une grosse geek, moi. Dès que j'étais petite. Donc mes frères y jouaient, je me suis dit, tiens, je vais tester. En fait, je faisais pas trop d'histoire. En soi, je m'amusais à créer de super belles villes et tout ça. Je faisais des maps et tout ça, c'était trop bien. Comme Edge of Empire. J'ai le 2, c'était sympa aussi. Et puis j'ai encore les vieux CD en plus, ça marche encore sur les PC d'aujourd'hui, c'est sympa. Là, je vais être sûr que là, je ne tuais pas. Enfin bref, moi, je raconte ma vie, hein, comme d'hab, on va pas changer les choses. Et voilà, si vous voulez savoir sur quel jeu j'ai joué en premier, bah c'est cela. Avec Half-Life aussi. Qui était un jeu pas du tout conseillé pour mon âge. Mais alors là, pas du tout. Ce truc, voilà, les graphismes. Enfin, c'est pas les graphismes, mais c'est juste que. Il y a des trucs assez dégueu, on va dire. Eh, mais ça va, les pifs! Eh, mais là, je mets 4-3 sur un petit combat de nul. De toute façon, si je continue ma chaîne secondaire de gaming, je vais jouer à Empire Earth dessus. Par contre, je retrouverai pas les maps que j'ai fait étant petite. C'est sur un trop vieux PC qui ne marche même plus. C'est l'un des tout premiers PC que j'ai eu, un hein, bon vieux Windows XP. C'était trop bien. C'est tu, Flop? Non, ça va. Tu nous c'était abracadabra! Non, je vais pas quand même supprimer un perso niveau 60. Ce sera du gâchis. Ça va, je l'ai eu. Wow, tu veux me faire prendre quel chemin là? T'es malade toi! T'es un malade! Comment elle avance à monter dans l'eau.
Attendez, je regarde, on a combien de temps de vidéo? On doit être à 23. C'est là. On a quand même bien avancé là pour sur l'Empire Crustacé. Hein. Salut la compagnie. Le chant va dire cela. Ça me sent, ça c'est plus le donjon, ça. Hein. Ouais, c'est un donjon. Alors, si c'est un donjon, ça va être compliqué. Bah, je crois que c'est le dernier truc de cette zone. Attendez, y a pas, y a rien de plus ici. Non. Peut-être un truc avec la barbacane. C'est quoi cette odeur? Ah oui, c'est ça! Oh, oh non, pas ces boss! Bon bah je pense que ça va faire la fin de l'épisode, hein. Et si je me foire, je couperai. Non! Non! Zen! Connexion perdue, va te faire... J'en ai marre! Connexion! Ah. C'est ça. Donc on se retrouve avec Chris pour refaire ce boss. Salut. J'ai eu un petit souci de connexion sur ce boss, du coup je dois le recommencer. C'est cool. Aïe aïe aïe. Bon, tant mieux parce qu'il est un peu galère à faire solo, surtout quand t'es glace et que tu fais pas de dégâts. Bah au pire, si tu boubouilles, je tape. Non, au pire, ça va. Ça devrait aller. Allez, pourquoi pas. Alors. Ok, c'est bien, j'ai rien des premiers tours. Ouais, pareil. Tu sais, j'ai deux gardes là, c'est bon. Okay. Ça va, t'es tempête, ça va aller vite. Ça va. Ça, pour ça, il fait pas trop de 6, mais celui-là. Mmh, ouais. Ah, c'est ça, j'ai pas vu beaucoup de 6. Mmh. Mmh, ça dépend. Bon, c'est, t'as de la chance ou t'as pas de chance, après savoir. Ouais, les requins, ils ont enchaîné, par contre. Ah, je sais pas. Bon, par contre, c'est ça, tu pars plus rien, hein, avec les changements de classique. C'est moche. Ouais. Ouais. Ouais, le bug, là, ça m'a fait jeter une triple lame. Oh, tant pis. Donc toi c'est ça, t'as rush les niveaux. On va dire ça. Enfin j'ai fait tout niveau lambda. Ouais mais ça, je sais pas, la dernière fois que je t'ai vu t'étais niveau 13 quoi. Et t'es niveau 62 quoi. J'ai comment dire. On va dire que j'ai tryhard. 4 mois dans le niveau. Attends, je vais y taquiner un peu pour qu'il me tape moi, parce que t'as déjà plus de PV, toi. Bah oui, je suis une tempête. Hein. C'est ça le désavantage. Attends, je vais mettre un invisible. Invisible. Pourquoi? Ah, je sais pas, parce qu'en fait, je me fais spam depuis tout à l'heure. Mais en fait, t'as raison, tu sais. Juste que je vais pas calculer. J'envoie un petit seigneur pour... Ah non, ça se tenait pas, c'est vrai. C'est des boss. Ouais, ils sont immunisés contre l'étourdissement. J'ai un petit lame pour ça. Si je rigole, il va faire 16. Non, non, un crapaud. Oh. Et qui sera jamais paré. Merci. T'as du soin ou pas?
Mais pas un, je mets deux faits dans mon deck. C'est tout alors que t'es tempête. Même moi qui suis glace, j'ai plus de faits que ça. Écoute. Tu vois, ton famille, lui au moins, il est dynamique, tu vois. Le mien, il dort tous les jours. Je crois que ça fait. C'est la première fois qu'il se réveille depuis que je l'ai sur ce perso. Ah, ben j'ai un pavois aussi. C'est pas mal en fait. T'auras un double pavois. Ah, bah oui. Par contre, les Power Pif, ils sont généreux aujourd'hui avec moi. Alors, moi, avec 78, je crois, de pourcent, j'en ai pas un seul. Voilà. Lui, il se bouffe un peu trop à mon goût. Alors. Ah, ben tiens. Il fait. Ah, ben, bonjour, mademoiselle. Tu l'appelles mademoiselle. Ouais. Tu trouves ça normal? Pas vraiment. Bon, bah Steven nous dit qu'il est en game mode. Ah, quel geek. J'ai rien. Oh, cool. Ouais, pareil. Regarde, mais tout. Bon, on va mettre de l'âme glace, hein. Pourquoi j'ai mis de la transpercer sur cette attaque, moi? Le truc qui sert à rien, mais c'est pas grave. Ouais. Je vais mettre un faillible si jamais je flop aussi. Non, mais dis pas que j'ai su que moi, mes lames de mon corps. Ouais, essaye de pas faire de bêtises. Oula. Ça fait beau, ça. Ah ça va, j'ai faim, ça commence à être intéressant. Non, mets sur l'armo. Mets sur l'armo. Parce que lui, j'ai déjà une ampli. Oh, je vais taper aussi, moi. Ouais, bah en même temps, tu sais. Bon, maintenant, je vais attendre mes pistes tranquillement. Moi, j'ai même pas ma triple âme qui sort. 23 de défense. Eh, hey, t'es sérieux là? Bah, je peux lui piquer son bouclier tempête si tu veux. Bon, bah, en attendant les pifs, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Je me la mets un petit peu. Je vais lui piquer son bouclier tempête. En fait, là, tu sais que tu viens de me faire hésiter sur quelque chose. De quoi? Si je prends l'ami feinte. Ou la mule lame des tempêtes avec de la vie et tout. Moi je me dis que ça dépend des boss quoi. Enfin ouais. Après j'ai besoin d'avoir beaucoup d'HP donc. Par contre j'espère qu'il n'y a pas de taper une grosse attaque parce que je prends cher moi sinon. Bon ça va, tout va être pourri sur le premier coup du Minotaur. Par contre le critique c'était pas obligé hein. Avec le début, c'est à te faire mal. Je vais prendre 1000, hein. Non, c'est sûr, ça va. J'ai un minimum d'amour, je vais oublier. Par contre, toi... Ah, ouh, ça fait bobo, ça, par contre. Mais ça va, non, tu t'énerves pas trop sur moi. Il veut ta mort. J'ai juste 700 PV. Il veut ta mort à tout prix, ici. Bon, toi, tu serais mort depuis 40 ans, toi, c'est différent. Ouais, je sais. Bon, bah on peut lancer. Vas-y, moi je me soigne parce que là ça commence à devenir critique. Un glace en dessous des 1000 PV, c'est pas normal. Pas faux. Allez. J'en ai rigolé, j'en ai plein. Bon, je pense que là, j'ai critique, y en a des deux. Ouais. Ah, c'est carrément une lame 50. Ouais. Ça va. Et c'est avec le sort de grise. Ouais. Ah oui, oui. C'est vrai que c'est pratique ça. Comme, Ouais. Tu sais, quand j'ai un boss difficile, je me fous le pavois. Et bah, on a fini. Ouais. C'est le one shot. Ah, mais c'est maintenant qu'il se réveille, lui.
En plus, il maîtrise l'âme. Oh, j'ai gagné un fragment de carte, mais tu vois, ça m'a fait ma quête. Tant mieux. Et écoute, j'ai eu quelque chose de bien. Ah non, attends. Attends. J'ai gagné quelque chose de bien. Ah non, je croyais que c'était une amulette qui me donnait. Comment ça s'appelle déjà? Le mec qui retrouve plus du disciple, disciple de la vie, ça aurait été beau ça. Enchant vêtement. On n'entend pas trop mon clavier. Un petit peu, mais bon. Bon, il est où le téléporteur là? Je le trouve assez loin. Normalement, il est là-bas. Ouais, bon, je t'attends là parce qu'à un moment tu vas devoir revenir. Monsieur Planchette. Les crustacéens ne m'ont pas laissé entrer à la barbacane. Peut-être que Nestor. Je veux dire bonjour à Nestor. Et comment dépasser les. Ça sera moi ça. Ah non, ça sera moi ça. C'est nickel. En fait, j'ai arrêté l'épisode là, et genre, je vais le reprendre direct dans la fin de le deuxième épisode, hein. Enfin l'épisode suivant. Si tu veux. Ok, sur YouTube, au prochain épisode. Bon, au revoir.